Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 23e épisode dans Let's Play sur Breath of Fire. Dans l'épisode précédent, on a été dans le château des dragons noirs, mais le chef a réussi à fuir avec un missile, il veut attaquer Prima. On a été dans une ville qui s'appelle Wisdom pour trouver une sorcière, elle nous a donné un vieil œuf, enfin on a dû traverser son château, etc. Elle nous a donné un vieil œuf, et là on doit aller dans le volcan qu'il y a près de Prima. On va y aller. Hop, c'était au nord de Prima. Hop, on va pas s'embêter avec les monstres. Le volcan, il était là. C'est toujours le truc, où faut-il aller? Gauche ou droite, c'est toujours les bonnes questions. Bon, pour le moment, utiliser quelques billes et ça, c'est l'air d'être un vrai labyrinthe. Ok. Ok. Là, je suppose qu'on va arriver à l'entrée. Arc acéré. Ça baisse la vitesse, mais il tape plus fort à l'arc. Là, c'était l'entrée du volcan. Ok, donc on a fait le tour, on n'a rien oublié. On va utiliser la bille là et après Ah, c'est fatigant. Alors, je suis désolé hein, pour les tremblements, ça le fait hein, dans le jeu, hein, c'est. Je crois que c'est, j'allais dire, c'est quand je passe dans les bulles, mais je sais pas où aller. Je sais pas quel escalier prendre, je sais pas quoi faire. Thank you.
Dommage, j'ai pas les attaques de. J'ai pas les attaques de Gobi. Les attaques de Gobi qui permettent de faire du multi-cible. L'autre escalier était le bon, donc du coup j'ai bien fait de passer par là. Allez Nina, sois plus rapide que l'ammonite. Ok, un niveau de plus pour Gobi. Il monte bien de niveau Gobi globalement. Par contre, ce qui est cool, c'est que Karn il garde la transformation. Donc ça évite qu'on la refasse à chaque combat aussi. Plus un soin 2, ça va aller. Ah, le tonnerre là, je m'y attendais pas. Ça surprend et ça fait mal. Peut-être dû aller au bout de la map. Le VF a grossi, le vieil œuf a grossi dans le volcan. Déjà retour? Pourquoi tant de hâte? J'ai besoin de davantage de sommeil. Comment? Le monde a sombré dans le chaos et tu as besoin de mon aide? D'accord, allons-y. Tu dois être fatigué. Tu peux te composer jusqu'à ce qu'il se mette en route. J'aurais bien aimé vérifier tout ce qu'il y avait au fond du volcan. Ça y est, il commence à bouger. S'il vous plaît, Bleu, utilisez votre magie. Bien sûr. J'ai là.
Si vous comportez bien, si vous portez bien, vous récupérez votre licence. Oui, monsieur, je sais. Au nom des armuriers, je jure que nous empêcherons l'utilisation de l'arme. Vous pourrez monter sur mon dos quand je me serai transformé en gros poisson. Ça bouge tout seul. Comment ça se passe ici? L'ennemi approche rapidement. Arrêtez-le. Nous resserrons notre défense. Bonne chance. Ça bouge tout seul, hein, je fais rien. Tu vas faire surface? Non, nous sommes encerclés par l'ennemi. Impossible de fuir, il faut les éviter, bleu. Ça va devenir intéressant. Vous allez désormais découvrir ma vraie puissance. Fais ton travail, rejetons des typhons. Il se passe rien. Hola. Ok, vas-y, rejetons des typhons, go. Quoi? Il reste encore des ennemis, le rejeton est parti. Cool, il ne reste plus que la moitié des ennemis. Que se passe-t-il? Repliez-vous! Il va falloir les battre dans la profondeur. Ils plongent! Poursuivons-les! J'arrête l'ennemi, dépêche-toi! Je sais pas ce que je dois faire. Ok, il y a personne. Ok, bon, on peut rien acheter. C'est-à-dire, est-ce que je peux me soigner? Je peux éventuellement me soigner, mais on s'en moque. Du coup, en plus, je vais me retirer Gobi de l'équipe parce que Gobi, je l'aime pas. Enfin, j'aime pas combattre avec lui. On va voir ce que Bleu a dans les pattes. Ox, on va mettre Karn à la place. Et là, je sais pas ce que je dois faire. À la limite, on va peut-être parler au maire, s'il est toujours là. Toute la ville est derrière vous. Nous faisons confiance, Ryu. Ouais, ok, mais faut que j'aille où? Ok. Occupe-toi du chef, Ryu. Moi, je me charge du reste. Mon bataillon n'existe plus. Vous allez me le payer. Puis ça va, eux, ils arrivent à respirer sans bronchie, quoi. Un petit crabe, je pense que le dragon de tonnerre devrait être. Et... Captain Krabs. Non. Je
Il est en caisse, hein. Petit coup critique. Vous l'avez atteint le niveau 20. Boule de feu a été appris. Ok, cool. Si je dois mourir, vous mourrez avec moi. Ah, tu bluffes, abandonne. Je vais vous faire exploser en 1000 morceaux. C'est plus facile que je ne l'aurais cru. Ne sous-estimez pas ma puissance. Ça devient méchant. Vraiment méchant, oui. Fichons le camp. Mon plan se présente bien. Beau travail, Jade. Merci, empereur. Quel était le problème, Aprima? Les dragons blancs? Ces idiots nous gênent dans nos recherches des clés? Les dragons blancs paieront pour cela. Débarrassez-nous d'eux, commandant, et trouvez-moi les clés de la déesse. Oui, monsieur. Qu'en pensez-vous, commandant? Ça me préoccupe, commandant. C'est peut-être les dragons blancs? Pas la peine de déranger le commandant pour ça. Le général fait peut-être cela pour distraire le commandant Jade. Ne vous en faites pas, nous sommes maîtres de la situation. Je vous charge de vaincre l'ennemi de trouver les clés. Bien, monsieur. Où êtes-vous, dragon blanc? Les morts auraient été détruits si cette explosion s'était produite plus près. Revenez quand vous voulez. Où allez-vous, Gobi? Je les accompagne. Ryum doit encore de l'argent. Dites-nous la vérité. Vous ne pouvez plus vous passer de nous, c'est ça? Non, je veux mon argent. Bon, allons-y. Il va falloir travailler dur pour m'embourser. Gobi, vous ne pensez vraiment qu'à ça? Pardon, je n'ai pas entendu. Laissez tomber. Quoi? Aurais-je raté quelque chose? Faites très attention à Gobi, vous risqueriez de vous brûler les doigts. Ok. Pop, pop. Ok. On va regarder si on peut acheter de l'équipement pour bleu. Sachant que là, je ne sais même pas où je dois aller, quoi. C'est. Là, il n'y a rien. En tout cas, c'est cool d'avoir un perso qui fait de la magie, qui peut attaquer plusieurs cibles en même temps. Pas grand chose d'intéressant. Puis c'est cool, avec les combats on a regagné pas mal d'argent quand même. Ok, là il y a la canne. Éventuellement. Canne et armure de bronze.
sais plus si l'armure de bronze elle est meilleure. 129 et là ça me fait 165. 129, 165. Le bouclier, je peux éventuellement l'acheter. Bon, là on va prendre un peu de temps pour regarder. L'autre robe est meilleure. C'est 125. Regardez là-dedans, il y avait des trucs à acheter. Pas mal, 20 000, hein. On va regarder après. Échop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On s'en moque un peu. J'avais pas acheté la rapière à Nina. J'avais peut-être plus d'argent. J'avais peut-être plus d'argent. Donc du coup, là, il y a le bouclier et... Il y a la canne et on va acheter l'épée pour Nina. Ou sinon c'est que je me suis planté quand j'ai acheté les armes. Ok, on a notre équipement. Alors ce qu'on va faire, on va se soigner. Je pense que j'ai pas toute ma vie. Non, ça m'a re-soigné, donc tant mieux. Quoique. Non, il manque de la vie avec Karn. Sinon tout le reste a été soigné. Ah, toi, tu coûtes moins cher que l'autre. Ouais, le séjour était agréable. Pas de soucis, on repassera vous voir. Hop. Mais là, je sais pas où je dois aller. C'est ça qui est un peu frustrant. Ah, quoique, on doit peut-être aller au village de Ox, vu que les femmes ont été libérées. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au volcan vite fait. On va aller voir s'il y avait un truc au bout.
tout cas, c'est plus pratique pour traverser. Hein. Voilà, ça va, on sait à peu près où aller, donc on va gagner notre temps aussi. Et bah on est revenu pour rien. Ok, bah on repart. On repart, on va aller au village d'Ox. Enfin je dis au village d'Ox, ça le temps qu'on ressorte du volcan, on sera pas loin des 30 minutes. Tiens, je peux peut-être me téléporter avec Nina, mais non. Donc, quand est-ce que je peux m'en servir de la téléportation? On va retourner à Prima, on va sauvegarder et puis on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Breath of Fire. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!